J'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour une galette des rois. Donc tout d'abord, on va réaliser notre pâte feuilletée inversée. Donc c'est-à-dire que le beurre va être à l'extérieur et notre détrempe, elle va être à l'intérieur. Donc la détrempe, c'est quoi? C'est un mélange de farine, de beurre, de vinaigre et d'eau et de sel. Comme là, je vais vous expliquer sur ma vidéo. Donc il va nous falloir 350 g de farine, une cuillère à soupe de vinaigre blanc, 15 g de sel, 115 g de beurre que je vais faire fondre et 150 ml d'eau. Et pour notre beurre manié, il va nous falloir 375 g de beurre et 150 g de farine. Surtout, prendre du beurre de très bonne qualité. On va mélanger la farine, l'eau, le vinaigre et le beurre que j'ai fait fondre. Surtout, j'insiste sur le beurre, il faut vraiment prendre du beurre de très bonne qualité, à 82% excusez-moi, de matière grasse. Donc moi, la plupart du temps, je prends du Poitou-Charentes qui est un très bon beurre. Surtout, ne pas pétrir la pâte. Ensuite, on va étaler notre pâte en rectangle hein, et on va la laisser un quart d'heure au frais. Et je vais passer à mon beurre manié. Le beurre manié, c'est quoi? C'est un mélange de farine et de beurre, tout simplement. Donc voilà, je vais mettre ma farine, mon beurre et je vais mélanger hein, jusqu'on ait une pâte et on arrête. Et pareil, je vais l'étaler en rectangle mais deux fois plus grand que notre détrempe. Surtout, farinez votre plan de travail. Vous inquiétez pas, farinez un maximum parce que personnellement, la pâte colle énormément. Donc n'hésitez pas à fariner. Donc, comme je vous ai expliqué précédemment, mais vraiment l'étaler en rectangle deux fois plus grande que votre pâte précédente, c'est-à-dire la détrempe. Voilà, on étale bien. Et ensuite, on va venir prendre notre détrempe et on va la mettre au milieu de notre rectangle. Vous allez voir comment je vais procéder. Regardez, voilà, j'ai sorti ma détrempe du frigo et voilà, et je vais la mettre au milieu et je vais rabattre tous les côtés pour, voilà, regardez comment je fais, comme ceci. On va laisser 15 minutes au frigo. Voici ma pâte que je sors du frigo, que j'ai laissé un quart d'heure. Je vais venir l'étaler. Surtout, farinez votre plan de travail. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez bien très bien fariner. Donc voilà, et on étale notre pâte. Voilà, comme je fais. Je vais venir plier chaque extrémité de ma pâte. Regardez comment je vais procéder. Donc, en même temps, je vous expliquerai en même temps. Donc, voilà, je détaille bien ma pâte. Voilà, vraiment en rectangle. Voilà, et là, je viens plier la première extrémité de ma pâte. Et je vais venir plier l'autre
extrémité, regardez, voilà, sur la première, voilà. Et là, je vais plier en portefeuille. Regardez comment. Voilà. Ça s'appelle un tour double. Voilà. Ça. Et on va laisser 2 heures au frais. Voici ma pâte après 2 heures au frigo. Donc, je vais venir l'étaler et je vais procéder de la même technique que j'ai fait la première fois. Donc, on va venir l'étaler pareil en rectangle. Et pareil, on va plier les extrémités l'une contre sur l'autre et en portefeuille. Donc voilà, je l'étale en rectangle. Voilà, je vais plier chaque extrémité de ma pâte. Voilà, je l'étale bien comme il faut. Voilà, comme ceci. Et regardez, hop, ce côté-là, je extrémité au-dessus et en portefeuille. Et là, c'est mon deuxième tour double. Donc, on va faire que 2 tours doubles. Voilà, hop, et on l'emballe et 2 heures au frais. Voici ma pâte après 2 heures de repos au frais. Donc, je fais un quart de tour et j'étale ma pâte. Et par contre, là, on va faire qu'un tour. Donc, pareil, on procède de la même manière. On étale en rectangle, mais par rapport autour, ça sera un tour simple et non un tour double. Donc, c'est-à-dire qu'on va plier chaque un tour simple, c'est-à-dire c'est plier chaque extrémité. Regardez, je vais vous expliquer sur la vidéo. Vous allez voir comment je fais. Regardez, là, je suis en train d'étaler. Voilà, chaque voilà, je plie cette et voilà, par au-dessus, comme ceci. Et on arrête. Et là, votre pâte est prête. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Je vais la conserver au frais. Vais passer à ma crème pâtissière. Il va nous falloir 250 ml de lait, 2 œufs, 60 g de maïzena, 50 g de sucre, une demi-cuillère à café de poudre de vanille. On va mélanger nos œufs, notre sucre. Et on va ajouter ensuite la maïzena le temps que notre lait chauffe. Notre lait est bien chaud, on va le transvider sur notre mélange maïzena, sucre et œufs. Et ensuite, on va remettre sur le feu jusqu'à épaississement. Et là, on mélange. Surtout, il faut bien mélanger pour que votre crème ne colle pas au fond de votre casserole et qui ne brûle pas. Voici ma crème, elle est. Passer à la crème d'amande. Donc, il va nous falloir 125 g de beurre, 125 g de poudre d'amande, 100 g de sucre en poudre, 3 jaunes d'œufs et une demi fève de tonka. Pour la fève de tonka, pour ma part, je l'ai achetée chez Zodio. On a mélangé notre beurre et notre sucre. Ensuite, on vient ajouter au fur et à mesure nos jaunes d'œufs, notre poudre d'amande et notre demi-fève de tonka. Voici notre crème d'amande. Donc voilà, et on va la mettre de côté. Passer au façonnage de notre galette des rois. Donc pour la quantité de la pâte feuilletée, on peut faire 2 galettes de roi de 24 cm. Donc on la coupe en 4. Je vais venir étaler ma pâte, surtout toujours fariner votre plan de travail. Je me suis servi d'un cerceau de 24 cm de diamètre. Donc voilà, j'étale bien comme il faut ma pâte. Et je vais couper, voilà, à l'aide de mon cerceau. Regardez, comme ceci.
Ensuite, je viens prendre ma crème d'amande et ma crème pâtissière que j'ai laissée refroidir et je mélange le tout. Et là, je viens garnir ma galette des rois à l'aide d'une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez juste avec une cuillère. Mais surtout, laissez 3 cm au niveau du bord, hein. Ensuite, je vais prendre un peu d'eau et je vais humidifier tout autour, regardez, de ma galette des rois. Voilà, comme je fais. Et ensuite, je vais venir mettre l'autre cercle par au-dessus et je vais appuyer tout autour avec mes doigts. Un œuf battu que je vais venir badigeonner ma galette des rois, mais surtout ne pas badigeonner sur les bords, sinon ça va empêcher de la pâte feuilletée de se développer. Donc je tenais à vous le préciser. Et on va la laisser 1 heure au frais. Pour ma deuxième galette, j'ai mélangé du colorant alimentaire avec mon œuf. Donc je badigeonne ma galette, hein, le même procédé que la première. Après 1 heure de repos au frais, vous rebadigeonnez une deuxième fois votre galette des rois et vous la décorez comme vous le souhaitez. Soit vous décorez comme moi, hein, regardez, je fais une sorte de rosace, hein. Voilà, comme ceci, vous avez vu. Et vous l'enfournez à 160 degrés pour une durée d'1 heure de cuisson. Tout dépend de votre four. Voici ma galette, hein, après la cuisson. Regardez, elle est comme ceci. Donc, j'ai fait un sirop. J'ai pris 3 cuillères à soupe de sucre glace et 3 cuillères à soupe d'eau que j'ai mis à chauffer. Et ensuite, j'ai badigeonné ma galette. Voici ma deuxième galette que j'ai mis le colorant alimentaire dessus. Ça donne ceci.